Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sprint5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de On en parle. Aujourd'hui nous allons parler bien de Élémentaire, le dernier film Pixar qui est sorti assez récemment. J'enregistre ça le jour même où vous voyez la vidéo. J'ai vu le film du coup il y a quelques jours avec des amis, on avait une sortie cinéma. Et le film était trop bien déjà. Bien joué à Pixar pour cette fois. Et le film était trop bien, on va commencer directement par le résumé du film, ensuite on va faire les points positifs et négatifs pour ceux qui ne connaissent pas, et on va finir par la note sur 10 que je vais donner au film. Dans le résumé du coup, que je ne vais pas lire un résumé déjà fait, mais je vais tenter de faire mon propre résumé, on va suivre bien les aventures de Flamme et Flag, du coup les persos principaux et les persos que vous voyez actuellement en fond, pour ceux qui regardent la vidéo sans l'écouter. Flamme du coup, qui est, vous l'aurez deviné, le personnage de feu, et Flak, le personnage d'eau. Voilà. Dans Élémentaire, du coup, il y a quatre éléments, enfin quatre cultures d'éléments, on peut dire. Le feu, l'eau, la terre et l'air. Et bientôt, on va retrouver tout ça dans Avatar. C'était une référence. Du coup, je disais, du coup, chacun des peuples, on peut dire... Ouais, bon, chacun des éléments, comme ça on parle pas de peuple ou de culture, vivent dans une très grande ville nommée Element City, et Flamme du coup travaille dans le magasin de son père, et son père qui commence à devenir petit à petit assez âgé et va du coup récupérer le magasin du daron. Pendant ce temps, t'as Flak du coup qui suite à un accident va rencontrer Flamme dans leur canalisation. Parce qu'il y a un problème au niveau de la récupération, enfin de tout ce qui est eau. Et vu que bah, c'est un mec d'eau, bah, du coup il gère ça. Et voilà pour le résumé. Ils vont se rencontrer suite à un accident et vont petit à petit apprendre à se connaître, voire à beaucoup se connaître. De toute façon, c'est facilement devinable dans les bandes annonces, etc. Ça va parler d'amour. Voilà. Le film est d'ailleurs, point positif et négatif, là on a totalement quitté la phase, oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui, la phase résumée. Point positif et négatif, du coup le principe des éléments, c'est une très bonne idée pour représenter différentes cultures. Voilà, il y aura la culture des éléments de feu, d'air, de terre, d'eau. Chacun a ses habitudes, ses inconvénients, etc. Vous l'aurez dîné. Mélanger du feu et de l'eau, c'est pas la meilleure des idées. Le feu peut faire bouillir l'eau et l'eau peut éteindre le feu. Donc voilà, avoir un duo de personnages comme ça, c'était très intéressant. Sinon, que dire de plus, le principe même des éléments, vu qu'en ce moment je suis dans une phase où j'aime beaucoup ça avec le projet Master Power, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour en apprendre plus. Du coup, bah, c'est toujours intéressant. Le film est drôle à pas mal de moments. Les personnages sont attachants, j'ai beaucoup aimé le personnage de Flamme. Le personnage de Flak est très drôle également. Du coup, ces deux personnages principaux, je les ai bien appréciés. Petit point négatif, par contre, c'est au niveau des éléments de terre et d'air. Certes, il y a des personnages secondaires qui représentent ces éléments-ci, mais il n'y a pas vraiment de développement au niveau de ces deux éléments. Là, on apprend quelques trucs par-ci par-là, qu'il y a quelques blagues à certains moments sur ces deux éléments-ci, mais il n'y a pas plus de développement. C'est un petit peu dommage. Peut-être que s'ils font un 2, ils vont se concentrer peut-être sur l'air et la terre, en plus de flamme et flac. J'ai eu un petit bug. Pas trop eu de développement, bon, c'était pas trop utile. Sinon, le film est très joli. Au niveau des couleurs, c'est très très joli à voir. Surtout quand Flamme utilise les cristaux qu'on a pu voir par exemple dans les bandes annonces pour avoir un feu de couleurs différentes, ça c'était très joli. Les blagues sont très sympas également, il y a beaucoup de jeux de mots au niveau avec du coup leurs propres éléments, il y a beaucoup de jeux de mots du coup avec le feu, l'eau, l'air, la terre, voilà. Tout feu tout flamme j'ai envie de dire, ou paf le chien, voilà, pour ceux qui auront vu le film ils comprendront. Sinon, que dire de plus, point négatif, à vrai, à part ça, à part pas trop de développement au niveau des éléments air et terre, il n'y a pas trop de trucs à rajouter. Niveau point positif, voilà, le film est très drôle, la relation entre Flak et Flamme est très jolie à voir, même si pour certains ça peut être prévisible,
Les refs, on regarde un film d'animation. Faut pas s'attendre à beaucoup d'histoires avec plein de plot twists. Mais personnellement, j'ai beaucoup aimé la relation qu'ils avaient entre les deux. C'était très mignon. Et la fin, à certains moments, surtout vers la fin, sans spoiler, bien sûr, il y a des moments où les larmes sont montées. J'ai pas trop voulu pleurer pendant la séance, mais il y a eu des larmes qui sont montées. Ouais, youpi, je sais pas quoi dire de plus. Sinon, pour la note sur 10, on va en finir pour cette vidéo avant que je commence à dire de la merde. Ça va être un 9 sur 10 du coup pour le film Élémentaire, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Voilà, petit truc qui a baissé un peu la note, selon moi, c'est le fait que l'élément terrestre pas trop eu autant de développement que l'eau et le feu, mais ça reste un petit détail. Malgré tout, 9 sur 10, c'est une très très bonne note, je trouve. J'espère que cet épisode, on en parle, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à me dire en commentaire si vous avez vu le film Élémentaire, à votre avis dessus, sans spoiler, sinon votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Voilà, je ne sais pas du tout s'il y aura un épisode dont on en parle plus. Si c'est le cas, eh bien, je le dirai dans le Poképoint qui sort bientôt, à la fin du mois. Mais ça m'étonnerait que je fasse un épisode dont on en parle plus. Mais bon, on sait jamais. Ça sort, de toute façon, vous le savez, ça sortira d'ici quelques jours. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se revoit donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est P25 et je veux dire, enjoy!